une nouvelle vidéo. Ça va-t-il bien? Ici Charline, ici Charlinou, ici Chachou, ici... c'est chat. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « On a tous ». Je vais vous énumérer une dizaine de situations que l'on a tous, selon moi, et j'espère, sinon je me sentirais très seule, vécu au moins une fois dans notre vie. J'espère, bien sûr, il n'y a pas de X dans ce mot. J'espère que ça va vraiment vous plaire les gars, et puis bah écoutez, c'est parti tout de suite, c'est parti mon kiki, on a la gang. Rotel de soutif me fait mal. Il est 2h30, nous sommes lundi. Et je ne sèche pas les cours. One! On a tous, ou au moins pour tous les joueurs et Sims addicts, tué au moins une fois nos Sims en les mettant tous dans la piscine, dans une pièce fermée sans porte pour voir ce que ça faisait et s'ils se noyaient vraiment. Pour ceux qui se posent encore la question, oui, ça les tue. Et d'ailleurs, ils finissent en fantômes souvent, il y a la faucheuse qui vient et tout. Et moi je trouve ça trop cool. Le sadisme. On a tous dessiné un soleil sur le coin de notre feuille quand on était gamin. Quand on était notamment au collège, ça se faisait beaucoup. En tout cas chez les filles, les mecs je ne sais pas, peut-être que vous dessinez des toiles d'araignée en hommage à Spider-Man, you know. Nous c'était les soleils et je me souviens même qu'on avait les petits feutres de la marque Stabilo et que du coup les rayons du soleil on les faisait en jaune, en orange, jaune, orange alterné et tout. Comme ça, ça faisait un effet hyper lumineux et assez moderne. On a tous pensé, et ne me dites pas le contraire, que le cœur humain avait réellement une forme de cœur. Voilà. Que tu aies pensé ça à l'âge de 10 ans, que tu aies pensé ça à l'âge de 3 ans, de 5 ans, ou de 10 ans, ce qui est un petit peu plus inquiétant déjà à ce stade-là de l'avancement de ta vie. Mais ne me dites pas que je suis la seule, tout de même. Imagine un petit cœur comme ça, ce serait trop mignon, genre, j'arrive même pas à le faire. Ah. Ah. Comment on fait? Voilà, on va faire comme ça. Coucou. 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 Dirty Dancing, toi-même tu sais, hein. Cocon. Cocon. Close your eyes. Two. Two, three, four. On a tous essayé de balancer l'interrupteur d'une prise ou d'un objet quelconque pile entre le on et le off pour voir ce que ça faisait si du coup le truc restait allumé ou s'éteignait. Genre la combinaison parfaite. On a tous déjà dit aïe après cette cognée alors qu'on s'était même pas fait mal. Personnellement ça m'arrive tout le temps. Genre à chaque fois que je me cogne, la plupart du temps, je me fais pas spécialement mal et pourtant je dis aïe. Question d'habitude. Voilà. En fait ça doit être parce que j'ai mal pour le meuble. Sûrement. Je suis trop généreuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas laisser comme ça un meuble en souffrance, c'est pas possible pour moi. Ah, c'est mal. Je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. On a tous déjà eu pendant une semaine au moins la même musique, la même chanson dans la tête. Le genre de chanson bien pourrie que tes parents écoutaient quand ils étaient plus jeunes ou écoutent encore maintenant, pourquoi pas. Et que voilà, ça te reste dans la teuté. C'est exécrable. Et je dis ça parce que c'est ce que je vis en ce moment, c'est la souffrance que je vis en ce moment. J'ai dans la tête une chanson depuis une semaine et demie, toujours la même, quelque peu détestée par beaucoup de monde. Je ne comprends pas pourquoi. Miyasukar, elle est pour toi. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, suffisait d'aimer. L'on changeait les choses un peu, m'en donner. S'il suffisait qu'on s'aime, ferait de ce monde un rêve, une éternité. C'est très relou pour mon entourage. On a tous... Putain, j'ai un truc dans l'œil. Ah. Ah, putain. On a tous déjà traversé un rayon de magasin sur le rebord en métal, là, qui est rayon frais, tu sais. Tu marches comme ça, comme si t'étais à la poutre. Et en général, il y a ta mère qui est juste à côté et qui t'engueule en te disant « Descends de là, tu vas casser le machin !» Alors que, excusez-moi, le truc, il est quand même, genre, bien implanté dans le sol. C'est pas tes 25-30 kilos tout mouillés qui vont faire péter le truc. Mais bon, voilà, ça c'est les mamans, je veux dire, voilà, voilà, hein. On a tous déjà fait exprès de jeter son stylo par terre, soit pour parler avec ton pote qui est juste à côté de toi, ou soit pour créer le contact physique ou une alchimie visuelle avec la personne qui te plaît.
Non, non, j'ai jamais fait ça, non, bien sûr que non. C'est pas mon genre. On a tous déjà dit quoi? Hein? Alors qu'on avait très bien compris ce que la personne venait de nous dire, c'est juste que soit elle est relou, soit ce qu'elle dit est relou, ou soit on avait juste la flemme de faire réfléchir notre cerveau, donc vas-y répète, c'est quoi, j'ai la flemme de me faire travailler là. On a tous déjà jeté la cuillère dans la poubelle au lieu du yaourt. On a tous déjà appuyé sur un bleu pour voir si ça faisait mal. Et oui, ça fait mal. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous seriez, serez... Serez conjugaison du verbe que vous serez. Serez, oui! Que vous serez reconnu dans plusieurs situations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez qu'on a tous déjà fait au moins une fois dans notre vie. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Twitter, Instagram, Snapchat. J'ai toujours ma FAQ qui est ouverte sur Snapchat, donc allez-y, envoyez-moi des petites questions, y'a pas de problème. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, y a pas de problème aussi, pour me suivre un petit peu plus facilement et puis ça m'encourage. D'ailleurs là j'ai mon petit cadre YouTube que Noah m'a offert. Je te fais des gros bisous à Noah parce que c'est trop gentil. Et c'est écrit Congratulations for surpassing 7000 subscribers. 7000 abonnés quoi. Merci pour ce petit cadeau, ça me fait trop plaisir. Donc moi, bah, je vous fais d'énormes bisous. Je vais aller me mettre en t-shirt parce que j'ai absolument trop chaud. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc dimanche, creo. Ciao, ciao. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. Calda comme une star de cinéma. Toutes les chansons de Lover, là. His eyes were... It's just true, and I hold it on to you. I... Don't judge me.